Bonjour, je m'appelle Thierry et je fais de la musique sans instrument. Enfin, presque sans instrument. Car en fait, j'utilise le plus vieil instrument de musique qui existe. Oui, oui. Le cor. Est-ce que vous savez comment on appelle ce type de musique? On appelle ça de la percussion corporelle. Oui, oui. Et est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment on fait la percussion corporelle? Oui? Eh bien, c'est très simple. On utilise toutes les parties du corps et on fait de la musique avec. On peut utiliser les pieds, les cuisses, les mains, les doigts et la bouche. Et avec tous ces sons, on peut faire ça par exemple. C'est plutôt sympa, non? Est-ce que ça vous dirait qu'on apprenne ensemble à faire de la percussion corporelle? Oui? Très bien. Alors attention, c'est parti! Une première chose très importante avant de commencer. Je vais compter jusque 4. 1, 2, 3, 4, pour que nous soyons bien tous ensemble. Et pour terminer, je vais faire ce geste. Hop! Comme si je voulais attraper le son. Vous êtes prêts? Oui? Très bien. Alors c'est parti. Nous allons commencer par les mains sur les cuisses. Donc les deux mains ensemble sur les cuisses. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Cuisse, 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 cuisse. Et stop. Très bien. Ensuite, nous allons prendre les mains et nous allons juste applaudir tout simplement. 1, 2, 3, 4. Main, main. Et stop. Jusqu'ici, tout va bien? Alors, nous allons maintenant faire les deux ensemble, les cuisses avec les mains. Ça va faire 1, 2, 3, 4, cuisse, main, cuisse, main. Et stop. Très bien. Maintenant, nous allons voir le son des mains frottées. C'est très simple. On prend les deux mains et on frotte. On peut frotter lentement ou on peut frotter rapidement, comme on veut. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4, on frotte. Super. Maintenant, nous allons voir deux sons avec la bouche. Le premier, c'est le son du vent. On imagine le vent dans les roseaux. C'est très simple, ça fait comme ceci. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons faire les deux ensemble, le son des mains frottées et le son du vent avec la bouche. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Très bien. Tout va bien? Bon. Donc maintenant, nous allons voir le deuxième son avec la bouche. C'est celui-ci. Je vois que c'est un peu compliqué pour certains. Je vais vous expliquer. Vous prenez la main, celle que vous voulez. La main est bien droite, comme ceci. Et les doigts sont bien serrés. Le secret, il y a toujours un petit secret, c'est ici, c'est le poignet. C'est seulement lui qui travaille. La main est bien droite. Une fois qu'on a ce mouvement, la bouche, on dit un O. O. Et on coupe le son.
Et donc, avec la forme de la bouche en haut, on vient juste taper tout doucement avec la main sur la bouche, comme ceci. Vous avez reconnu ? En changeant la forme de la bouche, on peut aussi changer la note. C'est un peu plus compliqué, mais vous pourrez vous entraîner. Maintenant que nous avons tous ces sons, nous allons pouvoir faire de la musique tous ensemble. Vous êtes les musiciens et nous sommes trois chefs d'orchestre. Je vous présente Thierry et Thierry. Oui, alors je sais, on me dit souvent qu'on se ressemble un petit peu. Mais bon, personnellement, je trouve que je suis quand même un peu plus beau. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Alors, souvenez-vous, je compte jusqu'à 4 avant de commencer et pour terminer, je fais ce geste. D'accord ? C'est parti ! Vous qui êtes devant moi, vous allez faire les cuisses et les mains. Vous qui êtes devant Thierry, ici, vous allez faire le son des mains frottées avec le son du vent. Et vous qui êtes ici devant Thierry, vous allez faire le son de la bouche. On y va tous ensemble ? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Super. Je pense franchement qu'on peut s'applaudir très 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 fort. Bravo. Ah, vous ne trouvez pas que ça fait du bien de faire de la musique? Et en plus, vous avez vu, il ne faut pas grand-chose. Un corps, un peu de concentration, et hop, le tour est joué. Bon, il est temps pour moi de reprendre la route. Merci beaucoup pour ce beau moment passé ensemble. Et n'oubliez pas, le cor est un instrument de musique. Au revoir !